Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer l'installation et le fonctionnement d'une extension pour les traitements de texte gratuits que sont Apache OpenOffice Writer et LibreOffice Writer. L'extension en question s'appelle Pico SVox OOO. Elle fonctionne très bien, elle est très simple, elle s'installe rapidement et donc juste le petit piège, c'est qu'il y a une version pour Apache OpenOffice et une version pour LibreOffice. Je vous rappelle juste, sans rentrer dans le détail, que Apache OpenOffice, c'est la suite bureautique un peu historique concurrente de Microsoft Office Word, notamment. Depuis un certain temps, il y a une scission au niveau de l'équipe des développeurs suite au rachat, etc. Voilà. Donc, une partie des développeurs s'est dit qu'ils ne voulaient pas travailler pour une société privée, donc ils ont quitté le développement d'Apache OpenOffice et c'est là qu'ils ont démarré le nouveau projet LibreOffice. Moi, je vais vous faire la démonstration sous LibreOffice, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, tous les cas, ce qu'il faut avoir, c'est la dernière version soit d'Apache OpenOffice, soit de LibreOffice, mais rassurez-vous, je vais vous expliquer tout ça. Donc, en tout cas, tous les fichiers sont sur Internet. Vous allez sur ergo notre-dame.free.fr, site que vous connaissez si vous avez déjà visionné des tutoriels. Sinon, je vous explique. Vous cliquez sur le lien Accéder aux fichiers à télécharger. Vous avez la liste des fichiers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie OpenOffice. Vous cliquez sur OpenOffice. Il y a tout un paquet de fichiers. Il y en a quatre qui vont nous intéresser aujourd'hui. C'est LibreOffice dernière. Alors, vous n'avez pas la suite, mais je vous dis, c'est dernière version. Donc ça, c'est l'installateur de la dernière version de LibreOffice, donc de l'installation du logiciel, hein, du traitement de texte. Juste en dessous, vous avez Apache, donc OpenOffice FR dernière version. Donc ça, c'est l'installation de la dernière version d'Apache OpenOffice, donc de la suite bureautique complète. Et derrière, c'est les extensions, enfin en dessous. Pico SVox OOO A004, donc ça, c'est pour Apache OpenOffice, c'est l'extension Pico SVox OOO. Et Pico SVox OOO pour LibreOffice. Donc nous, c'est la version LibreOffice qui nous intéresse. Donc je clique dessus et je clique sur enregistrer le fichier. Je clique sur OK. Le téléchargement est très rapide puisque c'est une extension, ça prend pas beaucoup de place en mémoire. Donc je ferme mon navigateur et le fichier est ici. Pico SVox OOO. Je vais démarrer mon traitement de texte, donc LibreOffice Writer, et je vais installer l'extension. Alors, pour ça, je vais dans Outils, dans Gestionnaire des extensions. Donc ça, c'est toutes les extensions qui sont installées sur mon LibreOffice. Je clique sur le bouton Ajouter et je vais chercher le fichier que je viens de télécharger, qui est donc sur le bureau, j'y suis déjà. Et donc, je clique sur Pico SVox LibreOffice. Soit je double-clique, soit je fais un clic gauche et ensuite je clique toujours gauche sur le bouton Ouvrir. Alors, rassurez-vous qu'il n'y a pas d'utilisateur travaillant, voilà. Pour qui souhaitez-vous cette installation? Seulement pour moi. On est censé lire le texte, donc je clique sur défiler vers le bas. Voilà, où je vais chercher le petit ascenseur. Et je clique sur le bouton accepter. Je vais tout en bas. Voilà. L'installation est quasiment extrêmement rapide. Vous voyez, ça y est, ça a bougé. Et si vous arrivez dans la liste, vous avez maintenant Pico SVox OOO. Alors, vous pouvez cliquer sur fermer et vous allez vous dire, il ne s'est rien passé puisque j'ai aucun bouton de nouveau. Donc, vous quittez. Donc là, je vais cliquer sur le croix rouge. Vous quittez votre traitement de texte et vous le réouvrez. Donc démarrer LibreOffice Writer. Et à partir de là, il va y avoir une barre d'outils en plus. Voilà, elle se trouve ici. Donc ça, c'est le bouton des paramètres. Ça, c'est le bouton, c'est toujours marqué en dessous, lis la sélection, lis la phrase courante, lis le paragraphe courant, arrête la lecture, passage précédent, passage suivant. Alors, on va déjà s'occuper de la configuration. C'est extrêmement rapide. Ce qui est très intéressant pour notamment les jeunes collégiens, c'est qu'on peut avoir plusieurs langues. Il suffit de changer ici, puisqu'on a le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'américain et. Sauf que là, j'ai mis en anglais. Attendez, je vais annuler. J'ai mis en allemand et j'ai pas pu revenir en français. Voilà. On peut modifier la vitesse. On peut faire surligner le texte lu, ça c'est très intéressant, ça surligne en jaune, c'est très visible. Il y a même des raccourcis clavier, ça c'est nouveau, je choisis de les cocher ou pas. Donc Alt W pour la lecture du mot, Alt flèche droite pour le mot suivant, etc. Et on peut activer la lecture en cours de frappe. Donc ça c'est intéressant pour avoir l'écho des lettres tapées. Donc je vais activer et je vais valider. Alors je ne sais pas si au niveau du son vous allez entendre,
Je vais écrire bonjour. Alors, il n'y a rien qui sort par contre. Donc là, l'écho pendant la frappe ne fonctionne pas, mais ça doit venir de mon volume qui est trop faible. Et si je vais cliquer sur lire la sélection, donc je sélectionne, je lis la sélection. Bonjour. Et là, j'entends très faiblement, hein, mais ça c'est l'histoire de l'enregistrement de la vidéo, le mot bonjour. Alors si je démarre sur un fichier déjà utilisé, faudrait que je trouve un fichier, dernier document utilisé. Bon, je vais prendre notice. Voilà, ça c'est pour moi pour vous permettre de voir les vidéos sur Internet. Donc, quand j'ai pas. Là, imaginons que ce soit des consignes. Je clique sur le bouton lis à la sélection ou alors tout simplement lis la phrase courante. Créer les vidéos de titres en modifiant le fichier LibreOffice Draw et en l'exportant en JPEG. Attention à bien désélectionner la zone de titre avant d'exporter. Voilà. Donc là, vous avez vu, je n'ai absolument pas fait de sélection souris, donc ça c'est très pratique pour les jeunes notamment qui ont un peu des difficultés à utiliser la souris. Je vais maintenant vous montrer ce que ça donne si le texte n'est plus surligné. Vous allez, voilà, je clique. Lis la phrase courante. Créer les vidéos de titres en modifiant Voilà, le donc là, fichier c'est exactement la LibreOffice même chose, Draw mais et que en le texte n'est plus l'exportant en en jaune. Donc ça, c'est JPEG. vraiment une option Attention à bien que je vous désélectionner conseille la zone de de titres avant d'exporter. cocher. J'arrête, hein, le. Voilà, donc configuration. Surligner les textes lus. Donc voilà pour cette extension qui marche quand même très simplement. Donc soit on sélectionne ce qu'on veut lire et on clique sur la flèche. Trait d'union, exporter le son. Voilà, là je l'arrête. On peut également, en cliquant sur le bouton lire le paragraphe courant, Trait d'union, exporter le son de la vidéo dans un 3 égal. passage suivant. 2. Trait d'union, enlever le son de la vidéo originale. Trait d'union, charger la vidéo du tuto avec Virtual Dubmo. Voilà. Alors bien évidemment, pour faire lire des mots anglais, il faut à ce moment-là plutôt privilégier la voix anglaise. Voilà. Là, je ne vais pas vous faire la démonstration. Donc voilà. Donc c'est une extension, vous avez vu, rapide à installer. On est à moins de 7 minutes et encore, j'ai passé un peu de temps à vous expliquer tout ça, qui fonctionne très bien et qui permet de faire lire soit pendant la frappe, soit a posteriori une consigne, par exemple d'exercice. Voilà, bonne continuation à vous et merci beaucoup de regarder ces vidéos. Au revoir.